Une mère retrouve son fils à genoux dans un Walmart, voit le panneau au-dessus de lui et est émue. Étiez-vous vilain durant votre enfance? Le gamin de cette vidéo était apparemment un garnement, mais il a fait quelque chose de très gentil quand il s'est agenouillé à Walmart. Regardez cette vidéo pour découvrir comment il a fait. Tona et Christian. Il s'agit de l'incroyable histoire de Christian. Nous sommes fans de Christian et nous allons vous expliquer pourquoi. Tout commence avec une dame âgée nommée Tona qui vient de perdre son mari. C'était un moment difficile pour elle, car elle l'aimait beaucoup et ne savait pas quoi faire sans lui. Son mari n'avait que 60 ans lorsqu'il est mort, et cela s'est produit de manière très inattendue. Tona était dévastée et se rendait souvent au cimetière pour se recueillir sur sa tombe et pleurer son amour perdu. Un jour, alors qu'elle y était, quelque chose de terrible est arrivé. Tona venait de se rendre sur la tombe de son mari et retourner à sa voiture. Soudain, un homme l'a prise en embuscade et s'est enfui avec son sac. Tout s'est déroulé très vite et Tona était complètement confuse. Ce jour-là, le sac de Tona contenait pas moins de 700 $, soit environ 650 euros. Quelle tragédie! Comme vous pouvez le comprendre, cela a rendu Tona encore plus triste qu'elle ne l'était déjà. Elle a appelé la police, qui a réussi à attraper le voleur. Malheureusement, l'argent avait déjà disparu. Lorsque l'histoire du vol est passée aux infos, ils ont montré une photo du voleur, un homme d'âge moyen. C'est ici que Christian entre en jeu, le héros de 15 ans de cette histoire. Il a vu la photo et a immédiatement reconnu la personne. Le voleur était le père de Christian. Pouvez-vous imaginer ce que ça fait de voir son père à la télévision comme ça? Comme un criminel? Christian n'était pas très surpris, car son père était déjà allé en prison. Il a eu peu de contact avec lui et avait été élevé par sa mère. La dernière fois qu'il avait vu son père, c'était lorsque celui-ci lui avait donné 230 euros pour un voyage avec son groupe scolaire. Christian voulait vraiment faire son voyage, mais il a soudain eu un mauvais pressentiment. Il se sentait très mal à cause de ce que son père avait fait à la pauvre veuve. Ce qu'il a fait était carrément imprévisible. Christian a contacté Tona et a demandé à la rencontrer. Tona a un peu hésité au début. Le fils de son voleur voulait la voir. Mais elle a accepté et ils se sont rencontrés sur le parking près de l'église. Christian lui a dit alors qu'il était très désolé de ce que son père avait fait. Il pensait que s'il ne s'excusait pas, personne ne le ferait. Son père ne le ferait certainement pas. Mais Christian est allé encore plus loin. Il a pris les 230 euros qu'il avait récemment reçus de son père et les a donnés à Tona. Il a dit « Je ne sais pas comment mon père a obtenu cet argent, mais je pense que je dois vous le donner. De cette façon, vous récupérerez une partie de l'argent qu'il vous a volé. » Quel héros! Tona était émerveillée et a pris l'argent. Comme l'argent lui appartenait désormais et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait, elle l'a rendu à Christian. « J'aimerais que tu l'utilises pour ton voyage scolaire », a-t-elle déclaré. Christian a repris l'argent et les deux se sont embrassés. C'était un moment très agréable pour tous les deux. Que pensez-vous de l'action de Christian? Auriez-vous fait la même chose? Dites-le nous dans les commentaires. Yann Macmillan. Un autre type qui nous a étonné avec son grand cœur est Yann. Yann est un grand fan de baseball et aime aller voir des matchs avec ses amis. Pendant l'un de ses matchs, quelque chose de génial lui est arrivé. Il a attrapé la balle. La balle a été mal frappée et s'est retrouvée dans le public. C'est toujours un grand honneur pour un fan d'attraper une balle, car il emporte un grand souvenir du match pour toujours. Au début, Yann pensait qu'il allait lâcher la balle, mais celle-ci a rebondi entre ses mains et a ensuite été ramassée par un juge de ligne. Lorsqu'il a vu le visage déçu de Yann, il s'est levé et a donné la balle au garçon de 12 ans. Yann était aux anges, quel beau cadeau! Il voulait courir directement vers son père pour lui montrer la balle, quand il a soudain réalisé qu'il y avait un petit garçon très déçu à côté de lui. Ce garçon avait également failli attraper la balle et était assis en larmes à côté de sa mère, car il avait vu la balle revenir à Yann. Il la voulait tellement! Yann a ensuite fait quelque chose de magnifique.
Vous l'avez certainement déjà deviné. Yann est revenu et a donné la balle au petit garçon. Il a donné son souvenir à quelqu'un d'autre, alors qu'il aurait bien pu le garder pour lui. C'est vraiment très gentil. Son acte n'est pas passé inaperçu et a été entièrement filmé. Tous ceux qui ont regardé le match ont vu ce que Yann avait fait et il est devenu un véritable héros. Quelle action charitable de la part d'un si jeune garçon. En reconnaissance pour sa générosité, les organisateurs du match ont décidé de faire quelque chose pour Yann. Ils l'ont emmené dans un bureau et là, Yann s'est rendu compte que tout le monde avait vu ce qu'il avait fait. En reconnaissance de son action, ils lui ont donné une balle de baseball signée et un maillot. Yann a aussi été invité à faire le premier lancer cérémonial lors du prochain match. Auriez-vous fait la même chose que Yann? Ou auriez-vous préféré garder la balle? Au final, Yann s'en est très bien tiré et a rendu quelqu'un d'autre très heureux. Vous ne savez jamais quel impact votre bonne action peut avoir et à quel point elle peut faire du bien à autrui. Braden à genoux. Parlons à présent du jeune Braden. Ce petit garçon a fait fondre des cœurs à travers le monde entier par un geste très simple. C'était un jour ordinaire et Braden accompagnait sa mère au supermarché. Normalement, il est toujours gentil et est resté près d'elle pour qu'elle ne le perde pas de vue. Le supermarché où il se trouvait, le Walmart, était très grand et il est facile de se perdre de vue pendant un certain temps et de devoir ensuite se chercher pendant des heures. Mais il est quand même arrivé que Braden ait soudainement disparu. Sa mère voulait juste mettre quelque chose dans son panier, quand elle a remarqué que son fils de 6 ans n'était plus à côté d'elle. Elle était inquiète, car ce n'est pas quelque chose que Braden fait normalement. Où a-t-il pu aller? Quelque chose lui était-il arrivé? Comme toute mère qui constate que son petit bébé a disparu, la mère de Braden a eu une étrange sensation dans son estomac et a légèrement paniqué. Elle a commencé à le chercher dans le magasin, mais il n'était dans aucun rayon. Elle a continué à chercher et est devenue de plus en plus nerveuse, jusqu'à ce qu'elle voie soudain son fils. Quel soulagement! La mère de Braden était également très heureuse de voir son fils en bonne santé et bien portant, mais cela s'est vite transformé en irritation. Pourquoi s'était-il enfui? Pourquoi a-t-il dû l'inquiéter autant? Elle s'apprêtait à se mettre en colère contre son petit garçon quand elle l'a regardé à nouveau. Braden était un peu bizarre. Il était à genoux devant un banc et avait les mains repliées devant lui. On aurait dit qu'il priait. Comme c'est bizarre. Et cela au milieu du supermarché. Mais que faisait-il? Sa mère a à nouveau regardé et a soudain vu l'enseigne sur le mur au-dessus du banc. C'était un panneau bleu avec de grosses lettres disant « Chaque seconde compte ». Sur le panneau se trouvaient des photos et des messages d'enfants disparus. Chaque année, des milliers d'enfants disparaissent et les parents désespérés font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver la trace de leur petit chéri. Braden avait vu les photos avec des visages d'enfants heureux et se sentait mal pour eux. Comme cela doit être difficile pour eux d'être loin de leurs parents. Il a été tellement touché par les disparitions qu'il est tombé à genoux sur place et s'est mis à prier. Il voulait demander à Dieu d'aider ses pauvres enfants et prier pour qu'ils soient vite retrouvés. Quand la mère de Braden s'en est rendue compte, elle ne s'est plus mise en colère. Au contraire, elle était incroyablement admirative et fière de son fils. Elle a rapidement pris une photo de lui et l'a mise sur sa page Facebook. Elle a écrit ce qui suit sur le sujet. J'ai dû aller au magasin. Je me tourne et je ne vois plus mon fils. Quelques instants après, je le retrouve en train de prier près d'un panneau avec des enfants disparus. Le message est vite devenu viral et de nombreuses personnes l'ont trouvé réconfortant. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu ont réagi avec des paroles positives. Tout le monde était d'accord pour dire que ce petit garçon avait un très grand cœur et que sa mère avait réussi son éducation. Un simple geste peut souvent avoir un grand impact. Likez cette vidéo si vous êtes d'accord. Avez-vous déjà fait quelque chose qui a touché une autre personne? Ou bien quelqu'un a-t-il déjà fait quelque chose de similaire pour vous? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Nous aimerions tout savoir. Pour d'autres histoires comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne
N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.